Pas de problème, t'inquiète pas. J'essaierai d'avancer dans le scénario et de vous proposer quelques petites quêtes avec des noms sympas. Ça sera pas mal. En tout cas, j'espère, les viewers, que ça vous a plu, cette petite présentation de Dracial Online. On va repasser du coup sur le Land Virus pour le développement. Du coup, on a pas mal avancé niveau map et tout sur ce jeu-là. Du coup, ça va être plutôt sympa. Là, je demande après de l'aide si des gens sont doués pour faire du R, pour en script et tout, et pour créer un peu un système d'open world. Alors, je vais changer de nom. Ouais, pas de problème, mais bonne course à toi. Alors, on a pu en créer un stream croissant, du coup, on a juste créé un stream. Alors. N'hésitez pas à utiliser la commande, donc c'est RPG Maker. Je ferai un cut, ce son, je séparerai ça. Maker VX Ace. Alors là je fais mapping des landes, mapping pour les landes des rues. Du coup tu verras que c'est pas le même nom. Hop, pour les landes des rues avec un majuscule. Hop, voilà. Voilà. On a changé tout ça. Je vais présenter son travail. Pas de problème, t'inquiète pas. Et normalement, j'ai dû changer le titre, c'est bon. Voilà, donc pour ce qui continue, si vous voulez avoir un peu vous aurez droit. Pour entrer pour les landes d'IRF, déjà pour ma part, à une alpha, les abonnés ont droit à une version alpha, même pré-alpha, quand j'aurai développé tout ça un peu plus. Voilà, du coup, on recommence avec la tablette. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de présenter le travail des autres aussi, ne t'inquiète pas. Alors, on avait dit qu'on voulait mettre un peu plus de végétation. Là, c'est les fleurs. Hop. Faudrait que je sois de quoi faire des fougères. Qu'est-ce qui peut faire fougère? Contrôle Z. Contrôle Z. Bon, je vais vous laisser, à plus. Pas de problème, Mara, merci d'être passé. Si t'as des questions sur GameWisp, comme je disais, n'hésite pas à m'envoyer un MP, à demander un petit vocal sur Discord.
En tout cas, merci à toi. Moi, je pense que je vais pas tarder. J'avance encore un peu et je vous laisserai là aussi. Je vais essayer juste d'avancer un peu cette partie de carte. Normalement, je sais pas quand est-ce que je peux voir certaines personnes. Là, je vais regarder tout ça. Merci, mon champi. Pas de problème. Merci à toi, en tout cas. Ça fait plaisir que tu prends ta intention et que tu souhaites soutenir activement la chaîne. Sachant que je fais ça pour plaisir et pour partager et non voilà, et que je fais ça dans mon temps, sur mon temps libre. Hein. Bah, j'essaie de faire un contenu un peu proposé du contenu varié et un peu de qualité et de qualité on va dire, même si parfois il y a des petits bugs, des petits soucis. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Friend of Future si vous intéresse. D'ailleurs, je demanderai si ça intéresse les autres devs de Dracel de créer une page Friends of Future dessus. Ça sera un moyen de faire un faux Kickstarter du jeu, quoi. D'herbe, un peu plus de plantes, un peu. C'est difficile à créer quand même un biome complet et riche dans un jeu. Alors, papa, un peu perçu de loin, ça donne quoi? On va créer un peu plus d'herbe. Un petit bug de son, je suis désolé. Parfois, le son bug un peu aussi, hein. Des petits soucis de micro par moment. Alors, on va continuer à avancer ça. De toute façon, après, dès que tout sera terminé, je pense vous laisser là après, de toute façon. Alors. Ah non, 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 non. Ah ok. Contrôle Z, voilà. Végétation. Alors, un peu de végétation. Ok, là. Je pense qu'on se laissera vers 14h, même peut-être un peu avant. Alors, plante.
Ah putain, le son qui bug là, ça m'énerve. Un peu des chants quand même, ça pourrait être cool. Des chants de blé vert, des chants d'orge. Voilà, on va mettre des petits champs, même si c'est pas la zone la plus agricole. C'est ça. Mais GG Mara, même si tu viens de partir, GG pour ton niveau. Pour un peu développer tout ça du coup. On a des petits fruits hein, pour le moment. Ben, on a des tomates. Après, j'essaierai de développer tout ça. Alors, on va mettre un peu des trucs à cueillir quand même, des petites plantes sauvages. Voilà, faut que je meure pour tout ça. On va continuer à travailler dessus. Voilà, je sais ce que je vais faire. The Forest, hop, on va mettre un peu d'arbres, hop, en pierre, hop. Je vais combler un peu les vides. Ça pourrait être sympa. Non! Qu'est-ce que j'ai farfouillé? On remarque que j'ai une meilleure idée, on va faire ça comme ça. Comme ça, les gens vont passer par là. Si on remplace le vide par un peu de la forêt, déjà ça donne un truc un peu plus sympa. Les gens pourront se déplacer comme ils veulent. Un peu de la roche et tout que je m'occuperai plus tard. Alors, putain, mais c'est n'importe quoi ça. Ça, faut que je m'occupe de ça différemment. Avancer cette partie de la map. Je me suis trompé, j'ai oublié de désélectionner. Là, faut que je retourne.
Patelin, voilà, c'est celui que je cherchais. Alors, la ville de Spatelin. Le piège de Spatelin. Bah, c'est un patelin, c'est pour ça. Bah, il est là, en fait. Ah, là, il y avait des petites maisons aussi, c'est pour ça. On fait un petit chemin. Bah, là, ils n'ont pas trop accès. Ah, le... Pour les fêtards, les fans de pop, les vacanciers, les joggeurs, c'est cadeau. Ouais. Passez à Spotify Premium et écoutez votre musique partout, même hors connexion. Vos titres à la demande, dites adieu aux pubs, un son d'une qualité exceptionnelle. Un peu abonnez-vous de... Voilà. Pour vos trois premiers On mois, peut mettre un peu de protection, ça pourrait être sympa. De Je vous rappelle qu'il y a une guerre offre limitée dans le temps. Qui s'était passée dans la... dans le passé de l'histoire du jeu. Donc là, c'est le marais que j'ai plus ou moins développé, hein. Mais sera un peu mieux fait. Hein. Parce que là, j'ai pas trop cette diversité. Alors que là, on a déjà plus de trucs. Mapping. Là, je commence à voir ça moi aussi. Alors que j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps. Ça c'est. Ah là c'est un peu vide aussi tout ça. Ça on verra ça plus tard, pour l'instant on s'occupe des landes. Alors, hop, on va faire ça. Remplir, on va un peu faire ça. Pour se faire un vide. Hop. Hop, ça sera un peu plus certifié. Ah tiens, la musique de Overlord, tiens. Bah, je pense que je vais avoir beaucoup de musique strike sur la rediff, mais bon, c'est pas grave. Alors que je m'occupe de ça un peu. Surtout la zone vraiment dans le cheminement en fait début du jeu, en fait on va passer de là et on va devoir aller vers ici pour rencontrer le premier la première personne qui va nous accompagner. Il nous faut découvrir un port et après on va devoir peut-être descendre. Du coup je vais peut-être créer une petite route. Partir de l'entrée.
Putain, je crois que le jeu a bugué. Ah, c'est bon. The road is the road. On va un peu zoomer tout ça. Ah, bienvenue à ce patelin. Non, bienvenue à Portail. D'ailleurs, du coup, ça va falloir que j'améliore tout ça pour créer une ville vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire des murs? Bah non, on peut pas, je crois. Voilà, ça va être mieux. Alors, ça donne un bon truc là. Ça donne un bon petit aperçu pour une ville. Alors. Ah, c'est vrai quoi, du coup là, il y avait un personnage. Il va falloir que j'agrandisse un peu tout ça, parce que c'est trop standard. Alors les bâtiments. Hop, on a un petit endroit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Des tours. On peut encore prendre.